Les amis, bonjour, bienvenue sur le Du Scorpion. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour déjà préparer le mois de mars, mois durant lequel j'analyserai la maison 3 dans le thème des abonnés. Donc si tu es intéressé pour savoir un petit peu comment interpréter ce qu'il se passe dans la maison 3 de ton thème astral, bien n'hésite pas à mettre en description de vidéo ta date, ta ville et ton heure de naissance. Alors la maison 3, qu'est-ce que c'est? Bien, la maison 3, elle est en analogie avec le Gémeaux, signe double, signe de communication, d'apprentissage, d'expression, de curiosité. Donc la maison 3, elle va aussi parler de ça. Elle va dire, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Comment est-ce que je m'exprime? Quel est mon type de curiosité? Comment est-ce que je me déplace? Qu'est-ce qui fait que je me déplace? Quel est mon moteur de mouvement dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse foncièrement? Comment est-ce que je converse avec mon entourage proche? Ça, c'est important. Donc, parce que la communication est quelque chose de très important. Donc, c'est ce que nous allons voir à partir du mois de mars. Donc, je t'invite, si ça t'intéresse, à noter ta date, ta ville et ton heure de naissance en description, enfin, en commentaire, pardon. Et donc, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Allez, tu étais sur l'œil du scorpion, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.